avons eu la chance d'être associés à ce projet, à ce Creole Fashion Days. Et donc, cette association, effectivement, nous a permis de rencontrer, bien entendu, les invités, tous les invités donc, du Creole Fashion Days. Et nous avons pu obtenir que cette journée-là se déroule ici et que nous puissions bénéficier de l'apport de tous ces invités de façon à ce que nos élèves, effectivement, puissent échanger avec eux en direct. La filière à appliquer, moi, je trouve qu'elle est assez porteuse dans différents métiers de la création et je trouve ça assez intéressant de leur montrer qu'il ne faut pas s'imaginer que ce qu'on pense quand on est au lycée sera la finalité de notre métier. On a des opportunités qui s'offrent dans notre vie, il y a des hasards dans la vie qui font qu'on peut emprunter d'autres chemins et arriver à d'autres milieux. Donc voilà. Je pense que ça a dû les intéresser quand même de se dire, peut-être les rassurer même au niveau des parents, de se dire qu'on peut commencer par une voie, mais on peut finir par une autre tant que la passion est là. J'ai vraiment été enchantée de rencontrer tous ces jeunes et puis émue aussi de voir comment ils ont travaillé très rapidement pour nous faire plaisir, pour nous présenter le travail. Des inspirations, des envies, un discours, c'est très encourageant. Et cette émotion même, j'ai rencontré des jeunes quand je leur montrais ce que certains sont capables de faire, des personnes originaires des Caraïbes, j'ai une jeune femme qui a pleuré. L'émotion qu'on a envie, il faut dire à ces jeunes, battez-vous pour réussir. Il y a moyen de faire de belles choses.